Ce n'est que maintenant que je me rends compte à quel point le dessin est un moyen de rencontre incroyable et totalement naturel. En fait, il n'y a pas besoin d'être un artiste ni d'avoir un don incroyable pour pouvoir partager un instant. Il faut simplement le vivre pleinement, sinon on ne créerait plus rien. Et demain, on part hein? Ben, on part à Kanji, avec le bus. Kanji. Ouais. Il va falloir trouver des chevaux là-bas. Ouais. Ouais, j'espère que ça va. On va y arriver. Bon, après, on va rester quelques jours là-bas pour prendre le temps de les trouver. Donc, bon, là, c'est vraiment le départ. Le départ de la marche. On s'enfonçait dans cette vallée là avec dans un pierrier un petit peu. Pas beaucoup, mais je voulais vraiment mettre en valeur cette montagne. Enfin, elle n'est pas du tout réelle là, mais c'était juste pour montrer qu'elle était vraiment hyper captivante, on va dire. Un voyage s'est fait de plein de bons moments, mais aussi de journées moins drôles et agréables. Cet après-midi, je me sens triste, inutile. J'ai seulement envie de retrouver mes amis et rire avec eux. Les nonnes de Tungri. Ah, les nonnes de Tungri. Quand même. Et ces nonnes, on voulait vraiment venir les voir. Et j'aurais jamais imaginé qu'on y allait aussi vite. On a rencontré toutes ces nonnes et elles sont vraiment géniales. Un matin, elles nous ont invitées à assister à leur prière. Leur chant, c'est comme s'il envoûtait tout, chaque objet. C'était vraiment, vraiment magnifique et incroyable. Là, c'est maman qui dort, ça lui ressemble pas du tout. Mais quand tu dors, t'as la joue un peu écrasée, alors ça déforme le visage. Maman dort, le clou-clou du ruisseau pas loin. Maman dort,
l'orage qui s'abat pas loin. Maman dort, le sourire aux lèvres, les sourcils contrariés. Il a fait chaud, maintenant elle a des frissons. Le vent qui s'engouffre dans la tente cuisine des trekkers. Je veux courir plus loin, plus haut, là où le vent me poussera et m'emportera sous son œil sauvage, plus loin, plus haut, à l'essence de la liberté. En bas, les chevaux l'emprise des humains pour les ferrer. Eux, le vent ne peut les emporter.